Je suis venue parce que quand j'ai récupéré ma chienne, elle avait 2 mois. J'ai été dans un club canin pour pouvoir l'adresser correctement, parce que je sais que les Malinois, faut savoir un petit peu les tenir en main. C'était l'horreur. Comment dire, ils m'ont fait porter un collier étrangleur. Et leur bonne solution, c'est ils l'ont pris, ils la pendaient comme ça, en hauteur, jusqu'à temps que ses pattes avant ne touchent pas le sol. Elle avait 6 mois. Après, ça a fini avec une muselière. Ça finissait avec la muselière parce que dès qu'il y a un chien qui s'approchait d'elle derrière ou devant, elle acceptait pas. Je pense qu'elle a eu une mauvaise expérience. Elle devait pas être avec sa mère, déjà. Ils ont dû l'enlever de sa mère parce qu'elle était... Je l'ai récupérée, elle sentait la paille. Et elle était peureuse, elle voulait pas rentrer dans une caisse, elle voulait pas rentrer dans la voiture, elle voulait rien faire. Quand il a vu que ça faisait absolument rien, en fait, ça la rendait encore plus agressive, il a dit, on va mettre le collier électrique. Et on va lui mettre une décharge quand elle va le voir chargé. Oui, ça a été, mais à l'extérieur, je sais quoi. Alors quand j'allais après à l'entraînement, elle disait plus rien, parce qu'elle avait la muselière, elle avait le collier électrique, elle avait le collier étrangleur. Elle disait que si je bouge une oreille, ça y est, je vais morfler, quoi. J'ai arrêté pendant 1 an, j'avais payé 1 an le club canin, donc je suis allée quand même pendant 1 an. Ça m'a pas donné grand-chose, mais bon. Je me suis mis à regarder sur Internet, chien agressif. J'ai essayé de trouver des solutions pour ma chienne, pour l'empêcher d'être agressif. Je me suis dit qu'elle a que 2 ans. Tu n'as pas perdu espoir. J'ai encore plein de choses à tester avant de baisser les bras. Et je ne veux pas baisser les bras, justement. Je veux pour elle qu'elle soit bien dans sa tête. Donc j'ai regardé sur Internet et je suis tombée sur ta méthode Gun. Et la première vidéo, j'avais vu, c'était chien agressif. Parce que j'avais tapé chien agressif. J'étais suffoquée. Suffoquée parce que je revoyais la mienne qui était exactement la même chose et je me suis dit pourquoi pas, ça marcherait pas avec la mienne. Pourquoi ne pas essayer? Je risque rien. Faut absolument tout tenter pour son chien qu'on aime parce qu'il faut pas baisser les bras bêtement et parce qu'elle elle le mérite. Et je me suis inscrite à la méthode Gun pour pouvoir la sauver. Docteur!
On y arrive. Voilà. On va passer ça à une autre phase. Allez, on continue. Oh, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me détacher la laisse? D'accord. D'accord, bon, on va le détacher. Bien sûr qu'on va le détacher. T'es sûr? J'enlève la laisse. Mais il est méchant. J'enlève quand même. Bon, bah j'enlève quand même la laisse. Eh bien alors c'est parti, collier. Tu m'enlèves le collier. Attention. Ok, une stratégie incroyable. Super, magnifique. Allez, Carole. Allez, pose ta laisse par terre. Là, tu viens plutôt.
ça n'aurait pas souffert comme elle a souffert pendant 3 ans. Là, je pleure de joie, en fait. Toute la pression, toute l'angoisse que j'avais avec elle, parce que j'angoissais pour la sortir, j'angoissais pour tout. Elle était libre que quand elle allait dans les bois, en fait. Et c'est pas normal, c'était pas normal. Voilà. Et dire qu'ils me l'ont cassé, alors que là, en même pas 20 minutes, miracle s'est passé. Miracle de tant attendu. Voilà. Mais c'est formidable. Ça fait 3 ans, enfin, je la redécouvre. C'est formidable. Formidable. Et je le souhaite à plein de gens. Plein de gens. Il faut le vivre en réel. Il faut vraiment le vivre en réel. C'est magique. C'est formidable. C'est la joie. Voilà. C'est la joie qui fait que ma chienne se sent mieux. Elle côtoie un autre chien qu'elle connaît pas du tout, mais très bien. Alors là, il y a rien de méchant à dire. C'est que du bonheur. Voilà. Elle en fait du job, 3, 4, 5, 6, mais c'est des chiens différents, donc c'est pas spécialement une race, c'est toutes les races que tu fais. Et cette chienne-là s'adapte à toutes les races, toutes sortes de chiens, tout. Et c'est formidable. Je dis, mais elle est extraordinaire, cette chienne, elle est unique, elle est unique. Voilà. Et j'ai dit, bon, ben, dernière ressource, comme j'avais fait plein de choses, j'ai dit, ben, je vais contacter Joseph, et puis je vais venir à la méthode Gunn. Peut-être que Dexy, elle va soigner la mienne. Et en effet, là, pour le premier jour, au miracle. Au miracle. C'est magnifique. Très, très beau. Oui. On voit ton chien dandiner. Oui. On voit son ouverture d'esprit. Sans la queue rentrée à l'intérieur, sans les oreilles rabaissées. C'est beau. Ah oui, c'est très beau. Oui. Là, revit. Nous sommes au deuxième jour de la méthode Gunn et je suis toujours avec Carole et bien sûr avec le berger malinois de 3 ans, Kélia. Comment tu te sens aujourd'hui ? En pleine forme, apaisée et puis rassurée. Et je me suis dit, eh ben dis donc, j'ai attendu 3 ans pour en arriver juste en 16 minutes. C'était phénoménal. Alors quand tu parles des 16 minutes, il s'agit bien sûr de la chienne spécialisée, Dexy, la chienne thérapeute. Ouais. Bien sûr, Dexy ne blesse aucun chien. C'est vachement impressionnant en vidéo. Mais Dexy est une chienne spécialisée, est une chienne thérapeute. On a pu le voir dans l'extrait, le ralenti, à vouloir attaquer Dexy. Et là, Dexy, par rapport à son action, par rapport à son comportement désirable, elle le rectifie. Aucune égratignure sur cet animal. Et ni les autres. Émerveillé du résultat en une journée, déjà ne serait-ce qu'une journée, le résultat que Dexy a pu faire, et c'est formidable. J'ai fait des tas de choses qui n'ont pas abouti, qui l'ont même rendue encore plus méchante. Et arrivé là, ça l'a rendue un calme. Et je revois ma chienne quand elle était petite. Voilà. Tu revois ? Je revois ma chienne en étant petite. C'est qu'elle incroyable. Était. Mignonne comme tout, qu'elle bougeait pas, qu'elle grognait pas, qu'elle boyait pas. C'est incroyable. Ah oui, c'est magique, c'est magique. Je te propose de rencontrer de nouveau la chienne spécialisée, la chienne thérapeute. Comment ta chienne, selon toi, va réagir face à la venue de la chienne Dexy ? Moi, je pense qu'elle va continuer à faire comme c'était après
la rencontre qu'ils ont eue. C'est-à-dire dans le calme, dans la sérénité. Ils vont se dire bonjour, normal. Et Dexy va la laisser vivre sa vie, tranquille. Et puis bah, la mienne va vivre la sienne aussi, et puis en espérant qu'elle ne fasse pas de bêtises, qu'elle ne fasse pas d'écart, voilà, des petits écarts. Tu me dis, suspense. Let's go, et on est parti. Let's go. Elle le fait bien, donc j'ai pas le choix, je suis obligé de... C'est parti. Je vais te présenter donc Gunny, la chienne pondératrice, la chienne qui va rencontrer Kélia pour la première fois. D'accord. Tu nous avais expliqué que on t'a fait employer plusieurs méthodes oui. Coercitives. Et ça vous prouve dans cette vidéo, ces méthodes-là, ce n'est pas une méthode naturelle, mais oui. De la souffrance en continu. On ne donne pas le choix aux chiens. J'ai des personnes qui viennent me voir, par exemple, aussi, un peu comme pour ton cas, on leur dit de mettre dans une canette ou dans des bouteilles des pierres. Et tu secoues comme ça derrière l'oreille. Ben ça, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Hartung, hein. Là, il faut fuir tout de suite. Hein. Ouh là là. Là, vous êtes en train de tuer votre chien, mais vous ne vous rendez même pas compte. Hein. Oui. Quand je dis tuer votre chien, vous lui créez des troubles. Et là, vous ne renforcez pas du tout une complicité entre vous. Oui, là, c'est ça. C'est clair et net. Hein. Je vous dis tout de suite que ce n'est pas une solution. Parce que dans la vie, je ne suis pas là avec une pierre comme ça. Ah, non. Dans la vie, on ne vit pas comme ça, oui. On ne vit pas comme ça. Dans la vie, on est comme ça. Exactement. Oui. Et ben, il faut être cohérent avec l'animal. Mais le fait que l'éducation, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Tout le monde fait n'importe quoi, quoi. Mais pourquoi? Parce que c'est compliqué. Alors ça marche sur des chiens, mais ça marche pas sur d'autres. Non mais... Ça marche pas sur tous les chiens. Mais c'est même pas une question de marché, c'est une question de principe, déjà. La base, humainement, je n'ai pas maltraité le chien. Oui. Ça, c'est la base. Oui, mais pour eux, c'est pas maltraité, quoi. Oui, mais parce qu'on te l'a fait répéter, oui, ça, voilà. Plusieurs fois dans ta tête. Oui, mais bon, moi je sais que je m'en suis aperçu que c'était de la maltraitance, en fait. Bah oui, c'est de la maltraitance. Parce que... On ne se rend pas compte tout de suite, non. Dans l'immédiat. Non, on fait confiance. On se dit, bêtement. Tout le monde est là, on est une dizaine, donc ça se passe bien. Oui, mais même, enfin, il faut juste se réveiller. Oui, c'est vrai. Mais c'est, vu que c'est compliqué, donc on va utiliser la force. Quand tu regardes toutes les vidéos sans prétention et modestement, tu vois que Gun obéit au langage des signes, au langage des... Oui, mais c'est Gun, mais tous mes chiens font ça. Bah oui. Je ferai d'autres vidéos si vous voulez, tous mes chiens font ça. Et tu l'as fait voir aussi sur d'autres chiens qui sont venus chez toi. Aussi. Donc tu les connaissais pas avant. Voilà, exactement. Donc ça ne justifie pas justement d'utiliser ces produits que les lobbies veulent nous dorer, hein, pour nous dire que c'est quelque chose de normal, que tout va bien. Mais non. Non, voilà. Justement, non. Bon, en tout cas, moi j'ai hâte de voir la réaction de Kélia qui est avec son jouet, donc elle va rester avec son jouet. Il n'y aura aucune interaction vis-à-vis de toi ni de moi. Moi je vais me balader et tout d'un coup, boum, on croise ton animal et on croise ma chienne. D'accord. En elle va être en situation réelle. Bien sûr, bien sûr. Comme si j'étais dans la rue. Exactement. Ok. Les internautes sont en train de nous regarder et se posent plein de questions. Mais en tout cas, moi aussi je me pose cette question. Je me dis, comment cette chienne va réagir face à Gunny. Et ça, ça va être un grand moment. Parce que c'est un moment de surprise aussi. Oui, moi. Moi aussi. Allez, je te propose de rencontrer donc Gunny, la chienne pondératrice. Ouais. La chienne qui va rencontrer pour la première fois Kélia, un berger malinois de 3 ans. Carole, on est parti.
On rencontrait un chien étranger et le comportement qu'elle a en temps avec la laisse et le collier. Voilà. Et on marche. Elle n'a jamais été comme ça, hein. Jamais. Elle était entrée en traction, en train de presque s'étrangler pour pouvoir aller choper le chien d'en face ou sur le côté. Puis là, elle tourne autour, les chiennes tournent autour, elle court. Ça ne l'atteint pas du tout. Allez, tu peux détacher ton animal. Elle a joué. Je m'attendais à que ça le fasse vite, mais pas si vite que ça. Voilà, je croyais que c'était au bout de, vraiment du quatrième jour qu'elle aurait compris. Et puis là, que ça soit Guni ou Dexy, elle comprend tous les signaux qu'on lui inculque. Elle assimile tout. Voilà. Et là, maintenant, elle les met à l'épreuve. Et vas-y, je te tourne autour pour voir ta réaction, si tu vas m'énerver, si tu vas dépasser les bornes. On est là pour te rappeler à l'ordre que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ben, à part dire c'est formidable, ça me remplit de bonheur. C'est pas donné aux autres chiens. Il faut pas faire cette erreur-là. Moi, j'aurais pas fait cette erreur-là, de toute façon. J'en ai fait plein d'erreurs. J'aurais pas fait cette erreur-là. Je tenais trop la vie de mon chien. Et un chien, c'est pas un outil d'attaque, c'est pas un outil d'arme blanche. C'est un être vivant, quoi. Il faut le considérer comme tel et lui donner tout l'amour qu'on peut lui donner. Voilà. À l'extérieur. Ça fait vraiment plaisir. Très plaisir, oui. J'aurais des feux d'artifice, je les ferais exploser. Le premier jour qui marque le plus. Avec Dexy. C'est la rencontre de Dexy. Pour les internautes qui nous regardent, bien évidemment, les informations sont sous la description de cette vidéo et Carole va s'engager à nous envoyer plein de vidéos sur le retour d'expérience. Et puis vous allez tout naturellement voir la suite des événements. Et c'est comme ça que ça se passe à l'état de gun. En tout cas, merci à toi. Et merci à tous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de l'étranger. Je pense à ceux qui sont au Canada. Je pense à ceux qui sont en Suisse. Je pense à ceux qui sont en Belgique, en Algérie, au Maroc, même au Mexique. Je pense à tous ces gens. Voilà. Et d'ailleurs, je salue Momo de Dakar, du Sénégal, qui me suit sur Snap. Merci à toutes et à tous. Merci. Et je vous dis, bien sûr, à très bientôt. Au revoir. Bye bye.
Voilà, je viens donner des nouvelles un petit peu de Kélia. Ça fait maintenant un mois que la méthode Gunn est terminée. J'étais venue te voir pour l'agressivité de ma chienne suite dans un club canin qui l'a rendue complètement agressive envers ses congénères, même là-bas dans le club ou à l'extérieur. Et puis je t'ai rencontrée, toi et tes chiennes. C'était une expérience formidable. Et qui d'ailleurs est gravé dans notre mémoire pendant très 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 longtemps. Voilà, ce stage s'est super bien passé. La rencontre de Dexie était formidable. Elle a su discerner ma chienne pendant 19 secondes et tout a été un éclair de lucidité que ma chienne a pu se rendre compte elle-même que ce qu'elle avait vécu avant était une erreur. Voilà. Je tiens à te dire quand même que tout se passe très bien. Elle s'entend très bien avec les chiens. Elle joue avec tous les chiens et ça se passe formidablement bien pour elle et pour moi. Maintenant, les promenades se font en relax et dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà. Je tiens à te remercier d'ailleurs de m'avoir permis de venir délivrer ma chienne. Et je ne saurais pas comment te remercier plus que ça. Voilà, remercie aussi Dexie, fais une grosse caresse. Et c'est une chienne extraordinaire et unique dans son genre, parce qu'on n'en retrouve nulle part ailleurs. Je te souhaite tout le bonheur et voilà. Au revoir.